Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on poursuit notre let's play de Asgard Wrath. Allez, on va essayer d'avancer un peu. Salut toi, comment ça va? Force et honneur. Allez, on y va. Alors, il fallait que je récupère ça, je me souviens. On avait récupéré le coffre ou pas? Non. J'avais pas récupéré ce qu'il y avait dedans. Si je l'avais fait. Récupérons tout ça. On va avancer encore un peu. Ah oui, ici il y avait les portes. Torque-t-il le patient? Torque-t-il? Le guerrier dont le bouclier a paré 1000 assauts. Sa défense était impénétrable. Il était tel une montagne au combat, immuable. Mais oui. Ça pourrait être utile. Bien sûr. On prend tout, on récupère tout. Il y a un raton. Je ne peux rien prendre de plus. Ouais, tout à fait, j'en ai trop. Alors, pousse-toi, faut que je vire Torquetil. Et voilà. Attends, ici, là. Tac. Oui. On me file un boubou. Le bouclier de Torquetil. Ah, un bouclier. Il te servira à parer les attaques ennemies. Ce bouclier vous fournira une protection contre les attaques ennemies. Avec un entraînement approprié, vous apprendrez aussi à repousser les ennemis. Entraînez-vous avec Loki pour apprendre cette technique. Comment je le récupère? Il disparaît. On va y avoir un truc de toute façon. Il va tout nous expliquer, Loki. Bien, continuons ton entraînement. Utilise le bouclier pour parer l'attaque. Prends ton bouclier et prépare-toi. Alors, attends, je vais prendre ça, mais d'abord, je vais dégager le câble et me faire un peu de place. Parce que j'ai utilisé un câble cette fois-ci pour éviter que le jeu plante. Et on va voir si ça fonctionne. Alors, bloquez les ennemis en levant votre bouclier. Contre 3 attaques. Il est où mon bouclier? Et là la question. Il est dans mon dos. Bien, à ton tour. Attends. Bien. Lance bien. Lance, oui. Parfait, c'est ça. Il n'y a pas de lion. On fait beaucoup avec un bouclier. On peut repousser un ennemi ou l'étourdir en le frappant avec. Alors, je peux balancer un coup de latte comme ça. Et comment je frappe? Parce que je l'ai pas eu frapper. Voyons ce que tu sais faire. Non, ce n'est pas tu ça. Tu as réussi. Et il dit que c'est pas ça. Non, ce n'est pas bien. Et tu peux pas dire où? Non, ce n'est pas ça du tout. Non, ce n'est pas ça du tout. Parfait! C'est ça! C'est ça là. Oui! Achève ton adversaire et laisse les corbeaux le dévorer. Bon usage de tes talents. C'est tout ce dont vous êtes capable. Je peux récupérer son stuff? Je peux récupérer son stuff. Loki! Ah, est-ce que je peux le balancer, le bouclier? Tiens. Ah ouais. Bon.
Ah, c'était pourri. Allez, on quitte. Quittez la zone. Donc, je peux frapper avec le bouclier, mais bon, de toute façon, bien compris. Près. Enfin, loin du moins. Ah, ce bouclier est à moi. Je ne le céderai pas. Il est où, lui? Ah oui! Il est où? Les sbires de tir se briseront contre ce bouclier. En avant. Alors, des lambeaux de cuir, des morceaux de métal, je m'en rapproche hein, maintenant. Pour les lambeaux de cuir, je pense qu'il faut buter les mecs. Allez, on check. Tu vas pas checker? Check. Hein, mais check. Oh, oh. Tu check, oui. Ah, il veut pas checker. Il a attendu, il est vexé. Hey, oh. Mais si, parce que ça, je pense que ça le boosterait un peu. Oh là là, j'arrête pas de prendre des vents. Oh. Alors, c'est sur ce côté en fait, je me suis décalé sur le côté, je vais être comme ça, voilà. Voilà, ici aussi. Non, ici, c'est ici, là, toujours. Je vais m'approcher là. Je fais gaffe parce que j'ai pas envie de m'éclater contre mes meubles. Ah non, je peux pas. Ah, je croyais que je pourrais. Je ne peux pas. Votre réceptacle mortel est vide. Vous pouvez modifier la difficulté du jeu dans le menu. Mais non, ça va. Pour le moment, ça va. Tu veux pas faire du check, toi? Ah, voilà! Attends! Et voilà! C'est bien, mon brave! Alors, eux, ils sont là-haut. Du sang des serviteurs de Dieu. Toi, tu peux passer là. En avant. T'es où? Non. Quoi? Ne cèdera pas.
C'est bon. Vous osez croiser ma route ? Aïe ! Ils peuvent essayer de me bouger. Ici. Trouvons la sortie. Ouais. Les lambeaux de cul, on commence à être pas mal. Hein? Qu'est-ce que tu veux, toi? Allez, merci, tu me files un coup d'huile, c'est ça? C'est bien? Chaque serviteur a ses spécialités. Tu peux passer de l'un à l'autre à volonté. D'accord. Pour appuyer sur B, pour changer. Eh oui. Toi, faut que t'ailles me niaquer ça. Je peux pas descendre, là? Alors, B. Impossible de changer, super. Oui, trottine. J'y vais. Ça, c'est les potions. Bon alors, pourquoi tu peux pas passer, toi? Impossible de changer. Viens là. D'accord. Si je fais ça... Non, merci. Ça va pas le faire. Par contre, si je fais ça... Ça c'est pour les bouteilles. Je comprends pas pourquoi il veut pas changer. Là on est trop haut, je pense. Et là, il faut que le requin y aille. Tu peux descendre jusque là, toi? J'y vais. Il peut y aller. Non, je ne ferai pas ça. Pourquoi impossible? Est-ce qu'il faut que je le fasse quelque part? Non. On revient là après tout. Allez! Faut peut-être que je me rapproche de toi, c'est peut-être ça aussi. Impossible de changer. Il a dit qu'on pourrait changer avec B. Je vais aller dans le menu. Inventer recettes, tutoriel, livre des quêtes. Tombe des nobles. Scrupule. Mortuaire. Tombe des nobles. Les tombes des nobles. Égile Yundal. Comment je peux aller récupérer Égile alors?
Ça c'est calculé comme Y, donc ça peut pas fonctionner. Le B c'est celui-ci. Et donc je dois pouvoir le faire avec B. Ah, sur toi. Ok, là, ça y est, j'ai compris. Ah mais il y en a plein. Qu'avons-nous là? Hey, salut, ça faisait longtemps. Mais il y en a plein. Utilise ton pouvoir. Attaque. Ah, je t'aime bien, toi. T'es une bonne tête de fou. Tu as une bonne tête de fou. Qu'y a-t-il ici ? Une clé. Ça y est, l'énergie afflue. La clé d'une garde. Je regarde un petit peu ce qu'il y a autour. On va pas descendre ici de toute façon. Et derrière, il y a le portail. On y va. On est parti. Alors... Une impasse ? Tu peux prendre et déplacer ton serviteur sous ta forme divine. Ouais, ça, je peux pas en servir. Je ne peux rien prendre de plus. Alors, on est arrivé ici. Ok. Ah ouais, toi, je peux te mettre là. Y. Alors, viens, petit. Viens là. C'est génial. Bonne idée, hein. Franchement. Rien n'est trop dur. Porte ton serviteur et dépose-le dans des endroits que tu ne peux pas atteindre. Est-ce que j'y vais ? C'est bien, Ignac. Comme d'hab. Oula. Là-bas. Non. Ah, je peux bouclier. Je ne sais pas comment, mais je ferai tomber Tyr. Il paiera ce qu'il a fait à mon frère. Il paiera pour tout ça. Ben, c'était ça le super boubou qu'il fallait absolument que j'aie récupéré. Un vieux bouclier en bois. Alors là, j'en ai d'autres. Et voici la clé. Allons-y. Ok. Scrupule mortuaire. Eh bien. Par contre, toi, reviens là. Tu peux pas venir ? Pourquoi t'es bloqué, chef ? Ils sont pas tous débloqués avec la porte. Qu'est-ce que vous voulez ? Ah. Eh oui, il est bloqué avec la porte. Allez, viens. Par contre, je t'aime bien, mais je pense que la tortue sera mieux. Je sers, je protège. Exactement. L'âge des temps. Tu as dû remarquer que j'avais neutralisé ta capacité à voyager pendant notre entraînement. Tu as encore beaucoup à faire ici, mais ton sac se remplit vite. Je t'ai rendu la possibilité de revenir à la taverne. Rends-toi là-bas afin de te décharger ou de te ravitailler au gré des besoins de ton aventure. Ok. On va y aller. Je vais voir si on peut parler de tout comme... C'est pas une petite chose là ici. Travaille main dans la main. Ah.
Méfie-toi. Les forces de tir sont plus redoutables que les drogards. Pour les vaincre, tu devras perfectionner ton maniement des armes. Tout héros doit s'entraîner à l'épée s'il veut espérer vaincre des ennemis plus expérimentés. Un épéiste, digne de ce nom doit maîtriser l'équilibre entre attaque et défense. Entraînez-vous avec Loki pour tout savoir des paras des armures uniques. Ce n'est pas une bonne idée. Ah oui, j'ai pas le droit d'y aller. Pas encore, je suis pas au niveau. Veux-tu commencer une autre leçon? Observe bien ton adversaire. Et le moment venu, essaie de dévier son coup avec ton épée. Vas-y et essaie donc. Tu as réussi. Parfait, c'est ça. Un bon combattant sait repérer une attaque ennemie et la parer au bon moment. Lorsque tu vois la lueur de l'attaque spéciale de ton ennemi, pare son coup et il sera alors étourdi. Ok. Ouais, parez ou bloquez les attaques ennemies pour l'encourager. Lorsque sa tête devient rouge de rage, préparez-vous à encaisser une attaque spéciale. Parez une attaque spéciale pour étourdir un ennemi. Parez. Bien, à ton tour. Ouais, t'es violent. Oui. Bien, encore, oh la vache. Bien. Ah, trop. C'est juste. Attends. Parfait, c'est ça. Certains adversaires portent une armure imprégnée de magie runique. Mais si tu pares les attaques spéciales de l'ennemi, son armure sera momentanément affaiblie. Quand l'ennemi est faible, frappe vite pour briser l'armure. Armure unique. Attaquer un ennemi étourdi pour détruire une pièce de son armure. Pareil, une attaque spéciale et contre-attaquer trois fois pour complémenter, pour complètement retirer l'armure de l'ennemi, puis l'éliminer. Ah, je suis dedans. Voyons ce que tu sais faire. Ah, j'ai encore raté. Tu as réussi. L'armure est détruite. Maintenant, achève-le. Bien joué. Il te reste beaucoup à apprendre, mais tu dois pouvoir mener de vrais combats. Bonne chance, mon élève. Il m'aurait fallu ton bouclier. J'ai un bouclier qui est tout pété. N'oublie pas, 1. Parer les attaques d'un ennemi pour l'enrager, 2. Parer l'attaque spéciale d'un ennemi enragé pour l'étourdir, et 3. Parer un ennemi, attaquer un ennemi pour briser son armure. Ouais, d'accord. Vous pouvez modifier la difficulté du jeu. Ouais, ça doit... Je pense que... Ça va commencer à devenir dur. Ça va commencer. Ah, les sbires de tir, vous me le paierez. Quoi, coup de boule? Ah là, tu es. Ah, je suis mort. Non, mais j'ai plus de bouclier. Ah! J'aurais pu aller réparer le bouclier en plus, je pense. Bon, c'est pas grave. On va apprendre. Ça devient dur. Ouais, et puis alors. C'était derrière moi. Alors! J'ai tourné tout seul, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, dans tous les cas, moi, je vais me tirer. Qu'est-ce qu'il m'a dit, lui, en fait, par rapport à ça? Carte du monde.
Lieu actuel suivi. Asgard. Daegir. Aegir, c'est vrai. On boit des coups avec Aegir. C'est chiant ce petit effet là. Dès que je suis dans les menus, enfin en tout cas dans les chargements, ça fait ce petit effet là. Il y a un livre au milieu, je sais pas ce que c'est. Quête secondaire terminée, l'heure de l'apéro. Ah ben voilà! Bah ouais les gars! C'est l'heure de l'apéro, il y a encore plus de monde non? Ça picole hein. C'est que ce truc. Alors, codex de l'arme monde, de l'arbre monde. On a ici, au commencement, le maître, d'accord, on peut lire tout ce qui s'est passé. On fera ça une prochaine fois, mais... Aegir. Bien que la plupart des géants soient farouchement opposés aux dieux, Aegir s'est attiré leur faveur en organisant des fêtes raffinées où il servait de généreuse pinte de sa bière. Légendaire, il préfère ne pas parler de l'incident qui lui a coûté ses membres. Ah ouais, d'accord. Il y a 15... Ok, tire. C'est lui, tire. Le dieu de la guerre, de la gloire et de l'héroïsme. De nos jours, Tyr est un tyran irascible qui règne sur les terres orageuses d'une main de fer, un être sinistre de feu, de métal et de violence. Donc ça, c'est inconnu. On se tire. Quête secondaire terminée, l'histoire des légendes. Quête secondaire terminée, formation initiale. Magnifique. Nouvelle quête secondaire, niveau avancé, terminé 30% du codex. Ok. Bon alors les gars, ça va toi? En avant, pars accomplir ta quête. Ouais, j'ai compris, va bosser. Va bosser. Ouais, attends une seconde. Ouais, remonte ton frère, t'as raison. La mode de... Tant ouais, pis. Mais alors, je veux marchander moi. Ouais, attends une seconde. D'accord. Et quoi? Alors, forgeron, marchande. C'est que ça... Ouais, attends une seconde. Marchande, tu vois? Des biens rares de contrées lointaines. Si tu as de l'argent, je t'écoute. Eh ben, go. Comment puis-je t'aider? Acheter? Ouais, donc ça, c'est de la boisson, c'est des trucs. Ça m'intéresse pas, retour. Créer. Agrandir le sac. Ok. J'ai rien de tout ça, œil hein. De troll. Œil de warg. Ok, je peux créer tout ça. Non, je vais m'en aller, je vais aller voir le forgeron. Plus tard, peut-être. Alors, forgeron. Des biens rares de contrées lointaines. Si tu as de l'argent, je t'écoute. T'es pas le forgeron, toi? Ouais. Ah, voilà. Ouais, attends une seconde. Tu cherches quelque chose? Ouais, je veux créer des trucs. Ah, j'ai pas ce qu'il faut, un lambeau de cuir. Attirail de héros. On en a encore moins. Des flèches. Je peux créer des flèches, je m'en fous. Pourquoi me servirait des flèches? Je n'ai pas de d'arc. Animal, morceau de métal fin. Ah, il faut des lambeaux de cuir.
Il me faut un lambeau de cuir supplémentaire. Il faudrait que j'aille tuer une petite saloperie là pour pouvoir récupérer les gants. Ok. Créer, vendre. Qu'est-ce que je pourrais vendre? Ça m'intéresse pas. J'ai plein de trucs, mais je vais rien vendre. Je suis pas débordé à ce point-là. J'ai encore plein de place en fait. Breuvage de renaissance, par contre, je peux en. Ouais. Très bien. 5, c'est 50. C'est un fils des pièces. Par contre, alors, accéder aux achats. Il me faut des lambeaux de cuir. Est-ce qu'il y a des lambeaux de cuir ici? Ouais, je peux en acheter un. 25, ouais. C'est bon, ça. Et maintenant, accéder à l'artisanat. Et on peut. Oh, excellent. C'est génial. Ah, oh, c'est cool. Les brasseurs de plaques. Crémation terminée. Attirail du héros, cela je peux pas encore. Tranchoir, il me faut des minerais de fer et des morceaux de métal. Gants de cuir donc. Allez, ça faut que je récupère. Comment je fais pour les récupérer? Suivre leur site retour, faire défiler. Accéder à la vente. Morceaux de fer, alors ça. Minerais de fer et morceaux de métal. Les morceaux de métal, j'en ai plus du tout en fait. Et des minerais de fer, combien ça peut coûter ça? Minerais de fer et morceaux de métal. C'est aux achats. Ouais, minerais de fer, c'est super cher. Morceaux de métal, ça va. Ça va, les morceaux de métal, ça va. Accès à l'artisanat, donc moi ce que je veux. Il faut 10 morceaux de métal, donc 9, et 4 minerais de fer. Morceau de métal, ça va. Quoi, j'ai dit qu'il m'en fallait. Il m'en fallait une autre. Très bien. C'est à toi. Voilà. C'est à toi. C'est à toi. Ouais. Ah, c'est génial. Ici, là, il est énorme. Cette ambiance qu'il y a dans cette taverne est folle. Ça nous fait une nouvelle épée. Et des gants. On les a directement équipés. J'ai pas fait gaffe. Si, je dois les avoir, je pense. C'est un bouclier qu'il me faudrait aussi. Brassard de verre. C'est quoi ça? C'est une nouvelle épée encore. Voilà. Je les ai pas encore, ça va. Ok. Retour. Créer, vendre. Acheter. Qu'est-ce que t'aurais? Ouais, t'as que des minerais. Hein. Y a rien, y a pas d'armes, y a pas de.
Reviens me voir. Ça doit être... Non, ça va s'en aller de là. Oh, t'es une boule mouillée. Par contre, j'ai validé deux quêtes, effectivement. Alors, tu as envie de tenter ta chance ? Gagner une partie avec un score de 400 en plus en mode facile pour le duel du poisson. Et gagner une partie chronométrique avec un score de 25 en mode facile. Qu'est-ce que tu me proposes quoi toi ? Temps limité, H limité. Alors, quelle est ta mise ? Plus confirmé à 50, c'est déjà bien. Bien, alors commençons. Saisissez les haches et lancez-les sur les cibles. Raté. Bien joué. Ah, celui du milieu, je trouve pas bon. Malédiction. Sept sur 15, nul. Ah, j'ai perdu. Non, je me casse. Mais il faut que j'apprenne à tirer parce que je pars trop bas, je pense. Il faut que j'ai lâche là. Je vais retenter. Tu crois pouvoir me battre ? Tu paries combien ? Allez, c'est parti. Pas le malin. Pas possible. Bien joué. Malédiction. Trop bas. Non. Ah non, ouais, c'est clair. Oh là là. C'était quoi ça? Y'en a des enfants. Ah putain, il est trop loin. Malédiction. Mais pas tant. Non. Ah. 12. C'est nul. Bon, je me casse. Mais je sais pas, je lâche trop. Je lâche haut en plus. Et pourtant, je sais pas. Une petite partie ? Ah non, je me tire. C'est que ça ? Tu peux pas avoir un coup ? Ah, tant pis. Ah, t'es pas en forme, toi. Bon bah ok, bah écoutez, on va s'arrêter là, hein, pour cette soirée, j'ai perdu. J'ai gagné d'autres trucs, hein, oh. Va. Oui, bah la je me tire. Gloire n'attend que toi. Je me tire, mais par contre, j'ai récupéré, du beau matos. J'ai récupéré du beau matos, on a des nouvelles recettes. On a donc Arduval et, J'ai de quoi récupérer, par contre j'ai des lingots de fer, ça c'est bien. Étire de rubis et pierre de strontofu. Ça pour l'augmenter, il me faudra ça. Breuvage. Ok. On revient en arrière. Est-ce qu'on repart par là ? Tutoriel, recette, inventaire, livre des quêtes. Ah, ici tombe la plage des tempêtes.
Ah, c'est carrément chouette, hein, par contre. Hein. Quel plaisir de jouer à ce jeu, c'est affolant. C'est affolant. Le petit temps de chargement tout de même. Mais bon. Il vaut ce qu'il vaut. Alors, j'ai ma nouvelle épée. Eh ouais, elle a une autre gueule quand même. Par contre, ça embête ce bouclier. J'ai pas pu le réparer en plus. Je peux péter quoi. Ah ouais, mon boubou il est pété. T'en as joli toi. T'as enfilé un bouclier toi. Ok, prochaine étape. Je l'avais même pas vu lui. Prochaine étape, on part par là. J'ai une nouvelle épée. Ça va le faire différemment cette fois-ci. C'est mon épée. Hop. Je vais pas ranger mon épée. C'est pour ça que je meurs aussi. C'est pour ça. Allez, je vais donc vous laisser. Vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et agréable journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vais vous dire à bientôt, ce jeu est dingue. Je sais bien hein, qu'on le voit pas du tout en fait sur vidéo. J'ai regardé un peu ce que ça donnait. C'est sympa, mais ça rend rien quoi. Et ça, c'est pas magnifique. Tous ces petits papillons qui se baladent. C'est superbe. C'est superbe. Allez, je vous dis à bientôt.